Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va s'agir d'une vidéo face caméra, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, bien que dans les vlogs finalement ce soit un peu toujours ce style de vidéo, donc finalement voilà. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager une réflexion, ou en tout cas de réagir à une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours. Il s'agit d'une vidéo de Louise, aka les lubies de Louise, qui parlait de la rentabilité de la couture et qui en fait essayait de répondre dans une vidéo à la question: est-ce que la couture c'est rentable ? Alors je m'excuse par avance puisque je suis sur une chaise qui grince un peu, donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Du coup j'ai vu la vidéo de Louise et c'est vrai que bien que je sois d'accord avec elle... Mon petit chat qui passe derrière, c'est mon heureux événement. Donc il y a quelques jours j'ai effectivement vu la vidéo de Louise et elle m'a fait beaucoup réagir, dans le sens où effectivement j'étais d'accord avec elle, mais je me suis rendu compte que la manière dont moi j'utilisais la couture, en tout cas dont je vivais la couture, et ben me permettait d'avoir une réponse qui était un peu différente de celle qu'elle donne dans sa vidéo, et je trouvais ça intéressant de vous partager mon point de vue. Je me suis dit que peut-être d'autres personnes auraient envie de faire la même chose et que ça pourrait être intéressant en fait de réagir ensemble à cette question. Effectivement, est-ce que la couture c'est rentable? Je dirais même plutôt, est-ce que la couture c'est un moyen finalement de gagner de l'argent, ou en tout cas de perdre moins d'argent, de dépenser moins d'argent? Quelle est aussi la notion de rentabilité? Est-ce qu'on parle de rentabilité financière? Est-ce qu'on parle aussi de rentabilité, je dirais, intellectuelle, ou en tout cas de savoir-faire? On va tenter de répondre à ça dans cette vidéo. Je vous invite aussi donc effectivement à voir la vidéo de Louise, peut-être avant celle-ci, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est intéressant et je rejoins son point de vue sur beaucoup de choses, mais vous allez voir qu'il y a des petits trucs sur lesquels on diffère et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous les partager. Alors j'ai noté toutes mes petites idées dans un carnet pour ne rien oublier et essayer de vous parler un petit peu de tout ça. C'est pas une vidéo qui va être extrêmement structurée, j'ai surtout envie de vous partager un petit peu mon point de vue, c'est pas à chaud, mais de le faire de façon assez spontanée. Donc voilà, j'ai pas particulièrement scripté cette vidéo, je vous ai juste noté mes petites idées et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce point de vue. Alors à la question, est-ce que la couture c'est rentable? Déjà pour moi il y a deux choses, il y a la rentabilité financière et il y a la rentabilité intellectuelle, culturelle, le savoir-faire, tout ce qui est finalement peu palpable mais qui fait partie de cette rentabilité là. Pour moi la couture c'est effectivement rentable dans mon cas, avec la manière dont je conçois la couture et dont je la consomme surtout. Et donc il y a la rentabilité financière qui pour moi c'est un grand oui, et la rentabilité culturelle, intellectuelle et de savoir-faire dont je parlerai en fin de vidéo et qui pour moi également est un grand oui. Donc je vous spoil un peu la suite. Pourquoi la couture c'est rentable pour moi financièrement? D'abord parce que j'utilise des tissus de seconde main. Je pense que ça c'est peut-être l'argument principal que vous retrouverez sur ma chaîne, c'est ma ligne de conduite principale. Je ne couds exclusivement, quasiment que des tissus que je trouve de seconde main, que je vais chiner et que je trouve voilà, en recyclerie, ou alors que je récupère, qu'on me donne. Pour ça en fait c'est une démarche, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur mon rapport à la seconde main, je vous parle en plus de façon plus générale sur mon rapport avec la friperie, enfin les vêtements de friperie, et plus tard ensuite la seconde main et la couture. Mais effectivement c'est vraiment ma ligne de conduite pour plein de raisons qui sont effectivement pour des raisons écologiques, puisque on sait l'impact de la production de textiles dans le monde, mais aussi pour des raisons qui sont financières et éthiques. Et puis il y a aussi tout le côté voilà, valorisation de tissus de seconde main, avec l'histoire du tissu qui me plaît énormément. Mais dans toutes ces raisons effectivement il y a la raison économique. Il faut savoir qu'acheter un tissu de seconde main ça coûte souvent beaucoup 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 moins cher que d'acheter du tissu neuf. Et par cette démarche là, par ce choix que j'ai fait dans la manière dont je couds mes vêtements et ce choix du coup de tissu, bah effectivement je ne perds pas autant d'argent que si j'achetais du tissu neuf. En tout cas pas une question de perdre de l'argent, parce que finalement on perd pas vraiment son argent quand il s'agit d'un loisir de cet ordre là, mais effectivement je dépense moins d'argent lorsque j'achète des tissus. Et donc de cette manière là pour moi la couture c'est rentable, puisque ça m'arrive d'acheter effectivement des coupons de tissus qui font, je sais pas, j'ai 5-6 mètres de tissu pour 3 euros, et donc pour 3 euros de tissu je vais pouvoir me coudre entre 4 et 5 vêtements, ça dépend du vêtement que je couds. Et c'est des vêtements que j'aurais pu acheter beaucoup plus cher déjà dans les enseignes de fast fashion, mais en plus de ça que j'aurais payé doublement voire triplement plus cher dans les enseignes plus éthiques et plus éco-responsables, par exemple des vêtements produits en France, etc. Là effectivement ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent. Donc de ce point de vue là pour moi, dans la manière dont je conçois la couture, avec ce volet écologie et surtout seconde main et recyclage, et bah pour moi oui effectivement c'est totalement rentable. La deuxième chose qui fait que pour moi la couture c'est rentable, c'est parce que j'achète mes patrons le moins cher possible. En tout cas j'essaye d'acheter les patrons lors par exemple des ventes à 2 euros de make-up. Alors je fais une grosse parenthèse là-dessus,
parce que il y a le côté intéressant pour nous en tant que consommateurs et consommatrices, parce que effectivement c'est pas cher et on peut avoir plein de patrons pour 2 euros, et je fais aussi la bascule avec oui mais il y a des personnes derrière qui font ces patrons, et donc ne payer ces patrons que 2 euros finalement à un moment donné le savoir-faire n'est pas suffisamment rémunéré, et voilà, ça pose problème. Je vais pas rentrer dans ce débat là parce qu'effectivement ça poserait plein de questions. Comment est-ce que les plateformes rémunèrent les créateuristes? J'en ai aucune idée. Comment est-ce que les créateurs et les créatrices font pour vendre leur patron et pour faire de l'argent dessus, ne pas perdre trop d'argent par rapport au temps qu'ils mettent pour élaborer un patron? Ça, j'en ai aucune idée. Donc on va pas rentrer dans ce volet là, je trouve que c'est un autre débat, mais on va mettre un point en disant qu'on a conscience de tout ça. Mais effectivement, quand il y a des ventes à 2 euros Makeris, j'avoue que je suis quand même assez contente et je suis la première à aller sur le site, à scroller un petit peu, à regarder ce que je peux acheter pour essayer d'avoir des patrons moins chers. Et de ce point de vue là, effectivement, pour moi ça devient rentable puisque je peux avoir une panoplie de patrons que j'ai payé vraiment peu cher. Après, je vais revenir sur un autre point, sur ce côté achat compulsif aussi qu'incité par ces soldes qui viennent, je crois à chaque saison Makeris fait des soldes. C'est vrai que il y a ce côté là aussi à prendre en compte, mais de ce point de vue là, sur le côté achat de patrons, il y a les patrons à 2 euros qu'on peut retrouver sur Makeris. Il y a aussi les patrons qu'on peut acheter dans des magazines, je pense à La Maison Victor et Fibre Mood. Alors Fibre Mood a un petit peu augmenté ses prix je crois, mais pour ce qui est de La Maison Victor, effectivement c'est des patrons qui sont, enfin le magazine je crois il y a moins de 10 euros, il doit être à 9,95, un truc comme ça, et c'est des patrons, voilà, il y a une dizaine de patrons dans le magazine pour 9 euros, donc c'est vraiment un peu cher. J'ai jamais testé les magazines Burda et autres magazines de couture, mais je sais que c'est du même ordre, hein. C'est une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros maximum, et on a pas mal de patrons, donc c'est aussi une manière de faire des économies dans ses achats de patrons. Donc de ce point de vue là, pour moi la couture c'est rentable dans le sens où j'arrive à trouver des patrons moins chers. Maintenant on n'oublie pas tout ce côté rémunération des créateurs et des créatrices de patrons, et pour ça là je pense qu'il faudrait se lancer dans un autre débat, mais c'est pas la question de la vidéo aujourd'hui, donc voilà. Une autre chose par rapport aux patrons, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, au-delà d'acheter des patrons qui sont peu chers, j'essaye d'acheter des patrons qui sont versatiles. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple la robe, la baroudeuse de Française une fois. Je crois que je l'ai achetée pendant une vente à 2 euros Makeris il y a au moins un an de ça. Et c'est une robe que j'ai réussi à hacker de mille et une manières. J'en ai fait une robe, j'en ai fait un manteau long, j'en ai fait une petite veste de printemps. Donc c'est un patron qui pour moi est complètement caméléon, c'est-à-dire que je peux le coudre de plein de manières différentes. Je peux l'utiliser autant comme une robe que comme un manteau. Et donc avec un seul patron je peux faire plein de choses, et donc ça c'est aussi une chose que je recherche lorsque j'achète des patrons. J'essaye de trouver des patrons que je vais pouvoir hacker, que je vais pouvoir transformer, avec lesquels je vais pouvoir faire d'autres choses, pour qu'un patron ait plusieurs fonctions. Ça on retrouve vraiment ces principes là dans tout ce qui est développement durable et surtout dans la permaculture. Le concept de la permaculture qui concerne à la base l'agriculture mais qui aujourd'hui s'étend à la permanent culture, c'est-à-dire vraiment tout le côté culturel, et bien effectivement on essaye d'avoir un élément qui sert à plusieurs choses, et ça c'est vraiment un des principes fondamentaux de la permaculture. Et quand je me rattache à ces valeurs là qui moi m'intéressent dans ce côté recyclage, écologie, etc, effectivement quand j'essaye d'acheter des patrons, j'essaye de faire en sorte que mes patrons puissent être utilisés de différentes manières. Après c'est pas le cas de tous les patrons, il faut pas non plus être dans l'excès de cette démarche là, il y a effectivement des patrons que j'achète pour une seule utilisation que je vais pas chercher à hacker, et donc ça c'est vrai qu'effectivement voilà, c'est quelque chose que je recherche mais pas toujours. Et donc le fait de chercher des patrons qui sont versatiles de manière générale, ça m'aide quand même à acheter moins de patrons, et donc ça nous amène à la troisième chose qui est effectivement avoir une consommation plus raisonnée. Ce qui me frappe un petit peu et ce qui me questionne beaucoup, c'est que effectivement quand on parle de couture on se dit ah bah du coup tu fais tes propres vêtements, donc tu sors des cercles de la fast fashion, et donc voilà, c'est intéressant de faire ces vêtements parce que on consomme autrement. Oui mais non, parce que il faut sortir, en tout cas quand on est dans cette démarche là, il faut réussir, même en étant dans le cercle de la couture, de sortir du cercle de la fast fashion, parce que malheureusement la fast fashion c'est au-delà d'enseignes de vêtements, c'est un mécanisme, c'est des habitudes d'achat et c'est des comportements en fait. Et je vous en parlais vraiment dans la vidéo sur la seconde main, c'est la chose la plus dure à quitter parce que c'est le côté le plus psychologique finalement. En fait la fast fashion et le concept... Petit amour. Le concept de la fast fashion et des achats compulsifs comme ça, c'est que ces enseignes-là nous incitent à acheter toujours plus, toujours plus vite, en toujours plus grande quantité, de façon toujours plus déraisonnée. C'est-à-dire que on perd la notion de besoin, on perd la notion de contenu aussi dans notre dressing, c'est-à-dire combien de vêtements j'ai, combien de vêtements j'ai besoin pour m'habiller, et puis est-ce que j'ai pas une pièce qui ressemble dans mon dressing. L'idée, l'objectif de la fast fashion, c'est de faire de l'argent en vous manipulant, on va dire. Je dis vous, mais vous, c'est aussi moi. On est bien d'accord.
Et en fait le truc c'est que du coup on se retrouve dans une consommation qui est basée sur la pulsion, sur l'envie, sur le désir. Et tout ça est créé par des magasins qui vont être dans des ambiances particulières, la mise en valeur de produits, l'utilisation aussi des influenceurs et des influenceuses, la publicité, le fait d'alimenter des sites internet de façon continue et répétitive. Il y a un chiffre qui est sorti sur Chine, je crois qu'il y a 145 articles qui sortent par toutes les heures ou toutes les, je sais plus toutes les combien de temps, tous les jours. J'étais là, waouh, c'est incroyable. Et donc effectivement ça c'est ce qu'on appelle la pulsion d'achat qui est engendrée par la fast fashion. Et du coup je trouve que malheureusement dans la couture quand on se lance là-dedans, et c'est pareil quand on commence à acheter de seconde main, quand on commence à aller en friperie, on a tendance à garder ces mêmes mécanismes de pulsion d'achat, de désir d'achat, et à être dans une consommation qui peut être déraisonnée. C'est le cas des ventes à 2€ makeuriste, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur le site et vu que c'est 2€, on se dit oh, je vais tout acheter. Et donc c'est hyper compliqué de sortir de ce mécanisme là, et pour moi je trouve que ça a été le plus gros travail que j'ai fait ces dernières années, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire qu'effectivement pour moi la couture c'est rentable, parce que j'ai réussi à sortir de ce cercle là, parce que j'ai voulu en sortir et que c'était mon objectif, et ça reste effectivement mon point de vue et mon opinion, mais c'est une des manières qui m'a permis de rendre la couture rentable. C'est à dire que la dernière vente à 2€ makeuriste, j'ai acheté 4 patrons, je reste sur cet exemple là parce que c'est le plus parlant et je l'ai cité juste avant, mais j'ai acheté 4 patrons, donc j'en ai eu pour 8€, mais c'est des patrons dont j'avais besoin, dont j'avais envie depuis longtemps, auxquels j'avais bien réfléchi, c'est des patrons que j'avais pas encore dans ma patron tech, et c'est des patrons que je vais voilà, chérir et utiliser et essayer de réutiliser encore et encore. Et donc du coup voilà, c'est aussi sortir de ces mécanismes là qui m'a permis vraiment de pas acheter toute la vente à 2€ makeuriste, et de pas acheter de doublons patrons que je pouvais déjà avoir, peut-être des patrons similaires dans ma patron tech. Ça m'a permis vraiment de sortir de ça et donc de faire des économies. Mais ça, encore une fois, ça c'est un engagement, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que tout le monde n'a pas envie d'être comme ça, et c'est pas à blâmer, hein. Sachez que on n'est pas là pour se blâmer les uns les autres, ça sert à rien, mais vraiment voilà, c'est une des manières en tout cas qui moi m'a permis de rendre la couture vraiment rentable. Une autre chose qui m'a permis du coup de rendre la couture rentable, c'est apprendre à faire mes propres vêtements et surtout à les faire à ma taille et avec des finitions impeccables. Ça c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental dans mon apprentissage de la couture et qui l'est toujours. C'est vraiment de coudre des vêtements qui vont être adaptés à ma morphologie, qui vont être 100% en fait adaptés à mon corps, à ma particularité, à mes habitudes aussi. Je vous en parlais dans la vidéo sur la fast fashion encore une fois, mais j'ai par exemple moi j'ai pas mal de poitrine, donc adapter aussi les patrons pour que ma poitrine soit à l'aise dans les patrons, et surtout j'essaye de porter le moins de soutien-gorge que possible. Et donc effectivement le fait de coudre mes propres vêtements, ça m'a permis de choisir de doubler la plupart de mes vêtements et donc de faire en sorte que je puisse les porter sans soutien-gorge. Donc ça a été aussi une manière pour moi d'adapter les vêtements et de faire en sorte qu'ils soient 100% correspondants à mon corps, à mes envies, à ma morphologie, à ma taille, à ma stature, etc. et à mes usages aussi. Et en fait ça, si on regarde dans la vraie vie, quand on veut acheter ce type de vêtements là, déjà dans la fast fashion c'est mort, les vêtements doublés c'est très très rare, et puis la provenance n'est pas correcte en termes de tissu, il y a toujours cette idée d'exploiter aussi des minorités, donc vraiment on est sur un truc pas éthique du tout, donc moi ça m'intéresse pas. Et par contre quand je me tourne effectivement vers des marques éthiques, des marques françaises qui font des vêtements sur mesure, qui vont être des vêtements adaptés à mes usages, qui vont être des vêtements voilà vraiment faits, adaptés à mon corps comme je peux le faire dans la couture, et bien ça me coûterait un bras, vraiment. J'ai regardé l'autre jour un pantalon, exactement le pantalon Juniper que je viens de coudre, dont je vous parlerai dans le prochain bilan couture, et pour ce même pantalon avec les mêmes particularités mais pour le mettre à ma morphologie et pour avoir voilà, la bonne taille, les bons usages, les bonnes couleurs, les bonnes options, ça coûtait 230€, et 230€ c'est pas le prix que j'ai envie de mettre dans un pantalon pour plein de raisons, parce que je peux pas me le permettre, parce que voilà je suis étudiante, j'ai pas cet argent là. Et donc pour ça la couture pour moi ça a été rentable, parce qu'il y a ce côté effectivement je vais coudre mes propres vêtements et donc je vais économiser de l'argent parce que je vais pas devoir les acheter ailleurs, mais ce vêtement là va avoir la même qualité qu'un vêtement qui serait produit en France dans un petit atelier français, qui serait 100% ma morphologie et adapté à mes usages. Donc c'est là aussi où je trouve que la couture elle est 100% rentable pour moi, c'est que je peux vraiment adapter les vêtements à mon corps, à mes envies, sans avoir besoin de débourser des 100 et des 1000 et d'hypothéquer ma maison ou de vendre un rein, parce que de toute façon j'ai pas de maison et puis j'ai pas l'intention de vendre mes reins. Donc voilà, à partir de là pour moi c'est totalement rentable. Autre argument, c'est en achetant vraiment ce qui est nécessaire. Là je vais parler aussi du matériel de couture, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler aussi ces derniers temps sur YouTube. Mathilde entre autres de la chaîne Méthode Mathilde a fait une vidéo sur le sujet, enfin on parle dans une vidéo sur débuter en couture, une vidéo très complète d'ailleurs que je vous conseille, et je crois que Laura Cotero en parle aussi régulièrement. Il y a plein de gadgets couture qu'on nous conseille, qu'on essaye de nous vendre, qui pour moi ne sont pas du tout nécessaires, et dans lesquels je n'investirai jamais, et je sais que pour ça je vais faire des économies
d'économies et ça me permettra d'être dans une démarche plus rentable, c'est qu'effectivement je vais pas du tout acheter les choses qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, je pense à des choses, il y a des découvites hyper ergonomiques dans le commerce. Moi j'ai des découvites qui sont dans ma machine à coudre, j'en ai eu deux, du coup j'en ai eu un avec chaque machine. Personnellement j'ai pas racheté de découvites pour qu'ils soient plus ergonomiques, plus machin. Là j'ai fait peut-être des économies de 2-3 euros, mais ça reste des économies. J'ai pas acheté non plus de boîtes pour ranger mes canettes, j'ai pas acheté toutes ces petites choses là qui pour moi me semblent superflues. J'ai pas acheté 12 000 et un pied, c'était hyper bizarre à dire comme phrase. J'ai pas acheté 40 000 pieds de couture pour ma machine à coudre, j'ai pas acheté d'accessoires finalement dont j'ai pas besoin. J'essaye de faire des économies aussi là-dessus, et pour moi c'est rentable dans le sens où vraiment je vais me concentrer sur l'essentiel, sur les choses dont j'ai vraiment besoin dans la couture, les choses qui vont vraiment me servir, et à partir de là ça va me permettre de faire des économies. Pareil sur la question de la machine à coudre, il y a peu de temps j'ai changé de machine, je vous en parlerai dans le prochain vlog, et en fait je me rends compte que j'ai acheté donc une machine manuelle, c'est la Singer Madame 2. Il y a très très peu de points sur cette machine, et même s'il y a très très peu de points, je me rends compte que j'utilise peut-être un tiers, même un quart de ces points. J'utilise même pas le quart des points que j'ai alors que je dois en avoir une douzaine. Et je pense à ma machine FAF que j'ai eue dans un premier temps, qui était ma première machine, la 1080S que j'avais achetée chez Lidl. Il y avait 80 points, dont je sais pas, 70 points de broderie. Franchement, ça ne me servait à rien. Et je me dis peut-être que à un moment donné, j'aurais eu envie d'acheter une machine plus performante avec plein plein de points, plein plein d'options, etc. Et c'est pas un truc que j'ai fait. Et en fait, ça m'a permis de faire des économies aussi là-dessus parce que j'ai payé ma machine un peu moins cher. Il y a moins d'options, mais alors j'ai vraiment pas besoin de plus d'options. Et ça c'est aussi se questionner sur ses usages, sur ses envies, et c'est comme ça que moi j'ai réussi à faire entre autres des économies sur bah, comment est-ce que je couds, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins, et du coup à partir de là je réunis tout et je me dis ok, par rapport à mes besoins j'ai besoin de dépenser tant d'argent. Peut-être que si j'avais fait plus de broderie sur mes vêtements, etc., j'aurais acheté une machine avec plus de points de broderie, et dans ce cas là ça aurait été rentable parce que par rapport à mon usage, mon investissement aurait été cohérent. Bah, voilà, donc c'est aussi une manière pour moi de faire des économies de ce point de vue là. Ça reste encore très personnel, mais c'est quand même un argument que je souhaitais vous citer aujourd'hui. Pareil sur la question des achats, autre argument c'est vraiment j'essaye d'acheter la mercerie nécessaire au fur et à mesure, c'est à dire que j'essaye de ne pas accumuler de mercerie dont je n'aurais pas besoin, ou d'accumuler de la mercerie en avance sans savoir quel projet je vais faire avec, ou en tout cas comment je vais les utiliser. La seule chose en mercerie que j'accumule c'est les zips et les boutons, parce que c'est des choses que je sais que je vais utiliser. Les boutons je les achète de seconde main, donc je fais déjà des économies dessus. Souvent je les vends, je les achète 1€ les 5 boutons, donc c'est vraiment voilà, rien du tout. Là aussi la seconde main me permet de faire des économies, mais effectivement j'essaye de ne pas acheter de mercerie en avance, et j'essaye de ne pas acheter de la mercerie inutile. Typiquement, pareil c'est Laura Cotero qui en parlait dans une vidéo, elle citait les fils dont on pourrait avoir besoin. Elle dit vous aurez besoin de noir, de blanc, de beige et de bleu marine. A priori c'est les 4 couleurs dont on a besoin le plus pour faire de la couture, les autres couleurs c'est vraiment du cas par cas. Et effectivement quand je fais le bilan dans mon stock de fils, j'utilise le blanc, le noir, un peu le beige, mais encore vraiment souvent j'utilise du blanc parce que je m'en fiche d'avoir des coutures blanches sur du beige, ça ne me dérange pas. Et effectivement le bleu marine, c'est vrai que coudre du noir sur du bleu marine c'est pas l'idéal, mais encore que j'ai envie de vous dire ça passe. Après effectivement il y a des fois où bah là j'ai cousu en pantalon vert, il se trouve que j'avais une bobine de vert, j'ai utilisé cette couleur là, mais c'est très très rare. Donc en fait finalement quand on fait le décompte, il y a plein de merceries dont on peut se passer, et ça passe par le fil, mais ça passe aussi par toutes les autres choses. Et du coup j'ai évincé en fait les trucs de mercerie que je pouvais acheter en avance et dont j'avais pas besoin. En fait j'essaye de pas les acheter en avance, j'essaye de les acheter au fur et à mesure. Quand j'ai un projet en tête, quand j'ai un truc, je sais que je vais avoir besoin de billets, je sais que je vais avoir besoin de tant de trucs, d'élastiques ou que sais-je, là effectivement je vais acheter les choses, mais sinon j'essaye d'éviter d'acheter en avance. Et donc ça me permet d'éviter d'acheter des choses dont j'aurais pas besoin, et donc de perdre de l'argent dans des choses inutiles. Et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup 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 aidé. Finalement je terminerai par le dernier argument, qui est celui sur lequel je rejoins Louise à 100%, c'est que pour moi la couture c'est un loisir, c'est un enrichissement du quotidien, c'est quelque chose que je fais pour me détendre, pour me vider la tête. Donc là l'enrichissement finalement personnel il est énorme, et en ça la couture c'est totalement rentable, parce que le bien-être et les bienfaits que m'apporte la couture c'est un truc qui est juste pas mesurable en termes d'argent, parce que c'est tellement ça fait tellement partie de ma vie aujourd'hui, et c'est tellement important pour moi, pour mon bien être mon épanouissement personnel, qu'effectivement en ça c'est totalement rentable, puisque c'était l'objectif à la base de faire de la couture. Bien évidemment il y a toutes les autres choses, il y a le fait de faire mon dressing, de composer un dressing voilà, conscient, éco-responsable et cohérent, ça c'est tout le côté palpable et économiquement mesurable, mais il y a tout le côté satisfaction personnelle, l'enrichissement que je peux en tirer, et en ça pour moi c'est totalement rentable. D'autant plus sur le fait que j'acquiers une compétence qui va me servir pour toute ma vie, ça j'en suis certaine, et qui me permettra un jour d'agir, c'est déjà le cas je pense, d'agir pour aussi un monde futur et un monde meilleur. Donc je pense qu'en ça,
rien que pour cet argument là, la couture c'est totalement rentable. Effectivement il y a l'aspect économique, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies ou on peut ne pas faire des économies, et là ça pose débat sur la rentabilité de la couture, mais comme je vous l'ai expliqué, l'idée c'était vraiment de vous montrer que avec la manière dont moi je consomme la couture et l'engagement que j'ai pris par rapport à la seconde main et par rapport à mon chemin vers une consommation éco-responsable, et bah du coup ça me permet de rendre la couture 100% rentable et j'en suis vraiment très fière. Ça a été un long chemin, c'est pas encore 100% le cas, je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles je pourrais faire des efforts pour la rendre encore plus rentable financièrement, mais pour le coup là on est sur déjà quelque chose qui me satisfait énormément et j'en suis très contente. Sachez encore une fois que si c'est pas votre cas, c'est pas grave, on a tous notre mode de vie, on a tous nos engagements, on a tous on fait tous notre petite part du travail, j'en suis sûre, et donc il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de meilleure manière de consommer, il n'y a pas voilà, par exemple si je réagis à la vidéo de Louise, c'est pas pour la blâmer ou pour la contredire, pas du tout, c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres options. Et du coup j'en suis très contente, et voilà, aujourd'hui je peux affirmer qu'effectivement la couture est financièrement rentable pour moi, mais elle est aussi culturellement rentable puisque c'est un savoir-faire que je peux pas mesurer tellement c'est important et tellement c'est précieux pour moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère effectivement que c'est pas trop long, on croisera les doigts encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette question, est-ce que pour vous la couture c'est rentable, est-ce que la manière dont vous consommez la couture ça la rend rentable ou non, j'ai vraiment hâte de lire vos réactions et de voir ce que vous pourriez me dire à propos de ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez une chaîne YouTube, si vous faites des vidéos, à répondre aussi à cette question. Moi je serais ravie de voir en vidéo vos arguments, c'est vraiment trop cool je trouve comme question, parce que ça amène plein de questions qu'on se pose par rapport à la couture, par rapport à plein de trucs, par rapport à plein de mécanismes qu'on a dans notre vie, et je trouve ça vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, je sais pas, faites-en ce que vous voulez. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, on ne sait pas quand parce qu'on verra en fonction du travail. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine, ciao.